L'établissement a été repris par mes beaux-parents en 2000, parce que mon beau-père chassait avec Monsieur Asenforder. Donc Monsieur Asenforder, c'est un peu l'image du Tour de France dans les années 50. Le Kaysersberg est un village plein d'histoire, c'est magnifique d'ailleurs, ça a été élu village préféré des Français cette année. Donc ça parle tout seul, c'est vraiment une belle région, un très beau village. Et les gens y viennent pour les vieilles pierres, le bon vin, la bonne cuisine. Évidemment, chez nous, on va pouvoir goûter au gibier de notre propre chasse. Le bec à off, hein, la potée traditionnelle alsacienne, qui est composée de bœuf, agneau, pied de porc. La saison est assez longue, on commence à Pâques jusqu'à Noël. On a énormément de monde pour les marchés de Noël qui sont réputés à travers le monde.